Le ministre Oumar Gueba a visité d'abord la centrale d'oxygène en construction à l'hôpital régional des Erekori, qui vise à réduire les souffrances des patients souffrant de détresse respiratoire et à limiter les évacuations vers la capitale. Il a également inspecté la biobanque en construction sur le site. Cette visite avait pour le but de comprendre les réalités locales en matière de soins de santé et de détecter les problèmes afin de mettre en place des mesures correctives pour améliorer les services dans la région forestière. Il est mieux de recevoir des rapports d'activité dans son bureau, mais je crois que sortir sur le terrain, faire une visite de terrain, toucher les problèmes du doigt est encore meilleur. Je crois que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et nous le personnel de la santé, nous sommes prêts à l'accompagner. Parce que je crois que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est la vision du chef de l'État. C'est sa vision et nous sommes prêts à l'accompagner à tout moment. Pour vérifier l'efficacité de la gratuité des soins décrétée par le gouvernement guinéen, le ministre a inspecté chaque service de l'hôpital régional de Erekouré et interrogé les bénéficiaires. La visite a inclus une discussion productive avec le personnel hospitalier, ponctuée de messages d'encouragement et de rappel sur l'importance du respect, de l'éthique et de la déontologie médicale. Que vous compreniez, que vous acceptiez que la vie est sacrée. Ceux qui ont voulu faire des sciences médicales et paramédicales, pour moi, l'ont fait parce que c'est une question de sauver des vies. Celui qui veut s'enrichir ne peut pas s'orienter en sciences médicales ni en sciences paramédicales. Si on s'oriente pour des études permettant de sauver des vies, c'est vraiment pour sauver des vies, mais pas pour s'enrichir. Le ministre a également fait le point sur l'état d'avancement du centre de démodialyse régionale. Le centre est crucial pour le traitement des insuffisances rénales et représente une étape importante vers l'amélioration des soins de santé dans la région. Nous avons également vérifié avec M. le ministre de la Santé de l'effectivité de la gratuité de certains soins qui est effectif. Et comme son message a été assez fort, à mon avis, à l'encontre de l'ensemble du personnel de santé. Dans l'un des centres de santé, les conditions étaient loin des standards sanitaires requis. Le ministre a donné des instructions pour la démolition de cette ancienne installation de la jeunesse transformée en centre de soins primaires afin de garantir que des mesures correctives soient mises en place pour améliorer les conditions de soins.